Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Canal 3, bonjour. Comment faire des associations de développement de véritables outils au service du développement de nos communes et de nos localités? C'est la grande thématique de ce numéro de votre émission Zone Franche de ce dimanche. Par ailleurs, l'on se pose la question de savoir si ces creusets ne constituent-ils pas des tremplins aux hommes politiques pour accéder à des postes politiques ou pour assouvir leur ambition allant dans ce sens? Et que doit-on faire pour véritablement dissocier la mission des associations de développement des tâches politiques? Et pour en parler, nous avons pris rendez-vous avec Conrad Baguidi, c'est un élu au Conseil économique et social, béninois de la diaspora et président de l'association de développement de la commune de Savalou dans les collines. Conrad Baguidi, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Bonjour à vous. William Cliquant, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Conrad Baguidi, bonjour. Bonjour William. Déjà, d'entrée, quand on évoque association de développement, ce vocable fait allusion à quoi? Écoutez, c'est une sémantique qui est assez accessible, hein, dans le sens où on parle d'une part d'association, de l'autre côté, on lui fixe déjà son objectif, qui est celui du développement. Et pour faire très très simple, il s'agit donc d'imaginer que des hommes et des femmes sont capables de se mettre ensemble pour réfléchir, pour se dire qu'ils ont un bien commun, celui de leur localité, celui de leur commune, et qu'ils ont envie de le faire avancer. Et donc du coup, ils imaginent les voies et moyens qui vont leur permettre en fait d'atteindre ces objectifs-là que constitue le développement de la localité. On va dire qu'en gros, c'est de ça dont il s'agit et on pourrait aller plus loin. Développement. On Alors. sait que c'est pour ça que les autorités locales sont élues, les autorités communales, les autorités de l'État central. Est-ce que, en fait, cela ne sème pas un peu de confusion? Quelle est la mission dont ils sont investis et qui est tout Effectivement. aussi différente, de celle des pouvoirs publics? C'est vrai, vous avez raison. Et cet exercice-là, il faut le faire avant de prendre des responsabilités au sein d'une structure telle une association de développement. En effet, nous avons des responsables, on va dire, communaux, sur le plan administratif, en l'occurrence le maire de la commune. Donc le premier responsable de la commune, il administre donc sa localité, sa commune, et il est en effet chargé donc de pouvoir développer sa commune. Il est élu pour cela. Peut-être que c'est important de rappeler un peu l'origine des associations de développement et donc du coup voir quelle est la synergie qui peut s'opérer, et cela permettrait donc de clarifier ces éventuelles tentatives on va dire, de chevauchement qu'on pourrait imaginer. De quoi il s'agit? 1960, c'était notre indépendance, l'indépendance du Bénin et la plupart des pays de la sous-région. Et à ce moment-là, vous savez que c'était un élan, un sursaut qui était davantage porté par les cadres et qui se sont dit, ben voilà, désormais, midje milesi, c'est-à-dire, nous sommes nous-mêmes, nous avons eu notre indépendance. Comment on peut faire pour faire évoluer le pays? Et donc, du coup, ces cadres-là, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, c'est d'eux que c'est parti. Ont commencé à avoir une émulation on va dire, de réflexion en matière de développement pour se prendre en charge. Donc ceci était donc hors des sentiers habituels, enfin, en tout cas de la politique. Hein. C'était des volontés réelles de cadres, souvent à l'étranger, de la diaspora, qui donc se mettaient ensemble pour certains, par exemple, créer une association de développement dans le domaine de la santé, créer une association de développement dans le domaine de l'éducation, créer une association de développement dans le domaine de l'environnement. Bon, l'environnement est encore beaucoup plus récent, mais enfin, c'était un peu différents canaux qui intéressaient ces cadres-là, donc certains de la diaspora, des cadres locaux également, pour arriver à structurer quelque chose. C'est de là que, donc, c'est la première décennie, 1960-1970, qui a vu donc l'éclosion de pas mal d'organisations associatives dites de développement. Mais donc, si vous retenez bien ce que je viens de dire, c'est que c'était plutôt une approche sectorielle, d'accord? Donc, agriculture, santé, éducation, etc. Donc, c'était une approche sectorielle, et en même temps, c'était une organisation qui était plutôt portée majoritairement par des gens de la diaspora. Et puis après, on a eu effectivement l'élan de, après 70,
Donc on a eu l'époque de la Révolution où c'était le PRPB qui fonctionnait, hein, et quelque part il y avait des velléités en plus de ce développement-là pour les associations qui résistaient, parce que ça on va en parler. Il y avait eu l'opportunité pour certains effectivement donc d'être visibles, hein, clairement. C'est-à-dire que les associations de développement, comme elles ont cette capacité-là à mobiliser des gens de la diaspora, donc et puis évidemment des gens au plan local, ils ont pu par l'espace qu'ils pouvaient occuper, peut-être pour certains, être intéressés par les actions politiques. Donc du coup, on peut avoir à constater qu'il y a beaucoup d'associations qui s'organisent, qui vivotent et qui meurent. Voilà. Donc beaucoup de tentatives comme ça, qui ne durent guère que le temps de l'Assemblée générale. Et après, derrière, on ne voit plus personne parce que ben, l'enjeu était donc d'être présent politiquement sur des sujets et donc de passer à autre chose. Ça, c'est vraiment le gros mal qu'on a eu. Et Et donc. on y reviendra certainement. Mais la loi, il y a un regard, les associations dont nous parlons, c'est régi par la loi de 1901, c'est ça? Absolument, tout à fait. La loi donc qu'on a héritée de Colomb, qui est donc cette loi 1901, qui n'a pas beaucoup évolué. Donc ça, c'est un autre sujet qu'on devrait Alors, sur lequel quelle est la on doit se pencher. vocation première d'une association de développement? Ben, comme je l'évoquais, c'est donc de pouvoir déjà s'occuper d'un certain nombre de sujets au plan local, de pouvoir lancer des dynamiques pour trouver des ressources pour faire face à cela. C'est réaliser des projets ou accompagner des projets en cours de réalisation. C'est donc quelque part contribuer aux synergies possibles de développement sur le plan local. Mais tout ça, comme je disais tout à l'heure, a évolué parce que aujourd'hui, quand on dit tout ça, on va avoir des associations de développement dans chaque arrondissement, par exemple, ou bien parfois dans des quartiers, et donc ça pilule de partout. Donc, il était important d'imaginer, en tout cas pour, on va peut-être parler plus tard de l'exemple de Savalou, il était important d'imaginer que tout ça s'organise, se structure un peu. Donc l'association de développement, quand il s'occupe de l'agriculture, c'est les agriculteurs qui s'y regroupent pour défendre leur cause, faire en sorte d'avoir des semences à temps, faire en sorte d'avoir de l'engrais quand il le faut, faire en sorte éventuellement de mettre ensemble leurs outils de travail pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très. Ça se fait en vase clos en réalité. Donc du coup, ça se multiplie, hein? Donc c'est un peu partout. L'idée, c'est de pouvoir regarder de près comment chacun dans sa zone peut contribuer ensemble ou bien avec d'autres, enfin, tous ensemble ou bien deux par deux, etc., à pouvoir impacter. Parce que la réalité, c'est qu'ils s'organisent pour s'impacter eux. Donc voilà, quand je parle de l'agriculture, ben, ils règlent leurs problèmes en matière d'agriculture. On peut imaginer que dans un deuxième temps, ça impacte également la communauté. Mais l'objectif premier, c'est d'abord eux. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure, ben, quand on parle par exemple de ceux qui se réunissent pour parler de la question de l'eau, et de l'autre côté ceux qui se réunissent pour parler de la question d'agriculture, ben, sans doute une synergie à trouver, parce qu'on a besoin d'eau pour arroser, etc. Donc c'est cette, on va dire ce rapprochement-là qui relève d'un enjeu important qui ne se fait pas facilement. Et donc c'est pour ça, quelque part, que les associations faîtières ont tout leur rôle à jouer dans la mesure où elles peuvent à la fois favoriser l'organisation sectorielle, favoriser l'organisation dans la localité, mais également ben, faire en sorte qu'ils se parlent ensemble. Regardez par exemple les formations. Dans la plupart des associations, il y a besoin de former les personnes, qu'elles sachent en fait quels sont leurs rôles, comment elles peuvent réussir à atteindre leurs objectifs. Et ça, cette formation, cette compétence, Et bien justement, comment se fait le choix de ces personnes qui doivent porter des responsabilités au niveau des associations? On pioche comme ça dans la commune, dans la localité, on se met ensemble où l'idée vient de quelqu'un qui va chercher ses amis et on se met ensemble. Comment ça devrait se faire pour qu'on puisse véritablement avoir les résultats? Et profitez à la question de Franck pour nous parler de l'organisation, du fonctionnement. Un quidam se lève, il cherche des frères ou des confrères d'une même corporation ou
comment est-ce que ça part de la source jusqu'au choix des leaders d'une association de développement? Vous avez, du point de vue de la loi, les associations de fait. Vous et moi, on se met ensemble, on est deux, on peut monter une association. On est trois, c'est encore mieux. On est 300, pourquoi pas? Je ne sais pas si c'est mieux, mais ça dépend des objectifs. D'accord? Donc, il existe des associations de fait. Nous avons constaté que la rivière d'à côté est en train d'être polluée par des voisins. Donc, comme c'est un effet récurrent, nous allons chercher à défendre cela. Donc, nous nous constituons en association. Dès lors que nous sommes d'accord ensemble, nous avons un nom, nous avons notre objet, nous avons notre association. D'accord? Donc, et ça, on n'a pas besoin de faire connaître ça par la loi à faire. C'est la première étape, une association de fait. C'est ça, l'association de fait. C'est qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'aller porter un dossier pour être identifié dans sa communauté, dans la zone, que ben, voilà, tel défend tel sujet. Mais c'est vrai que lorsqu'on va chercher à interagir avec l'administration, avec d'autres partenaires, avec même des partenaires étrangers, etc., ça fait sérieux quand même de pouvoir constituer cette association-là et donc faire les démarches nécessaires auprès du ministère de l'Intérieur ou de la préfecture pour arriver à déclarer son association avec une assemblée générale, une gouvernance bien établie et des statuts, etc. et donc une parution au journal officiel. Dans tous les cas, il faut déjà s'accorder pour monter une association. On ne peut pas créer une association quand on ne s'entend pas. Vous voyez? Donc ça, c'est un élément essentiel. Maintenant, quand on veut aller plus loin, et vous aviez posé une question au départ, je vais donc finir sa réponse et également revenir sur la question de la formation, c'est que lorsque vous avez des gens qui veulent défendre des choses, c'est de bonne volonté, c'est très bien, d'accord? Mais ce n'est pas parce que je sais que en mettant un pont par-dessus votre studio ici, ça sera super pour votre publicité, je dis n'importe quoi, ou en créant un autre pont pour aller à Godoma, que je saurais le faire. Je peux me mettre en association pour défendre ça. Mais il faut un parcours, il faut un discours, il faut se renseigner, il faut une compétence pour arriver à demander à qui de droit de nous construire le pont, de nous construire telle infrastructure. Et c'est en cela que je parle de formation. Donc, un des vrais problèmes que nous avons dans les associations de développement, c'est vraiment de rester focus sur l'objectif de départ et de réunir les capacités, les compétences nécessaires pour pouvoir mettre cela en œuvre. Et donc, quand on n'y arrive pas, en général, le temps passe et on est découragé et ça meurt. Voyez-vous ? Donc, ça, c'est des éléments importants qu'on a en matière d'écueil. Alors, donc, je l'évoque comme ça. Mais les associations faîtières devrait justement venir comme un rempart à cet ensemble de difficultés qu'on peut avoir dans les localités où il y a plein de gens qui travaillent plutôt entre eux pour dire voilà, écoutez, mettons-nous tous ensemble. Pour ceux qui défendent l'eau, c'est bien, on vous reconnaît comme tel et les idées et projets qui vont naître du point de vue de l'eau, on sait qu'on pourra compter sur vous en matière de compétences, de savoir-faire, etc. Pour vous qui êtes dans l'agriculture, on sait désormais que nous sommes ensemble parce que c'est l'agriculture de telle localité, de telle commune. Donc, c'est sur vous qu'on va compter pour faire ce travail-là, etc., etc. L'éducation, santé et tout ce système-là, en fait, peut se fédérer dans une fêtière pour réussir à avoir des objectifs communs. Parce que il est plus facile de faire le lobby lorsqu'on est ensemble plutôt que de se lever chacun de son coin seul pour faire le lobby. D'où justement vous aviez demandé ben, comment on choisit ces gens-là qui gouvernent ces associations, comment on procède. Et ça c'est un problème important, du moins une question très importante. Et derrière la question il y a un problème important. C'est que, voyez-vous, les influenceurs, ils existent beaucoup quand on est en train de désigner la gouvernance d'une association qui, de plus, est une association fêtière. Vous avez beaucoup de gens qui aspirent à prendre des responsabilités parce qu'on va les appeler président. Quel honneur. Vice-président. Ou vice-président. Ou trésorier. Ou secrétaire général. Trésorier général, etc. Et des noms qui sont pompeux et qui nous donnent, qui flattent l'ego. Mais lorsque l'Assemblée générale s'est achevée, quasiment tout s'achève.
Et du coup, il faut attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, alors que les textes prévoient que chaque année, il y ait une assemblée générale pour se réunir et se poser des questions sur ce qu'on a fait avant. Ce que je dis là, c'est le cas de beaucoup d'associations que nous avons. Et c'est un vrai problème Et que qui nous avons finissent par depuis. mourir. Et qui finissent par mourir. En général, ils sont déjà morts Oui, mais juste après dans l'assemblée générale. ce, disons, dans cela, les populations, est-ce qu'elles prennent vraiment une part active à ce que font les associations de développement? Est-ce qu'elles se sentent concernées? Ou qu'est-ce qui est fait pour davantage impliquer les populations? Alors, les populations, lorsque elles sont elles-mêmes à l'initiative, se sentent concernées. Lorsqu'il y a eu le temps d'échanger, de débattre, de parler, de discuter, ben oui, elles se sentent concernées. Mais comme je disais tout à l'heure, elles n'ont pas toujours la compétence. D'accord? Donc, le jour de l'organisation, de la mise en place de ces choses-là, c'est ceux qui parlent bien, souvent qui se font voir et qui prennent des postes. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc, je pense que en dehors de ça, il faudrait vraiment que les associations puissent, en plus de la préparation lors de leur constitution, trouvent de vrais leaders, des leaders qui sont capables d'épouser leur cause, qui ne sont pas dans des enjeux personnels, qui ne compteraient pas leur temps, leur énergie. C'est-à-dire quelqu'un dont on peut s'assurer que il a une vraie volonté de l'objet social, de l'objet de l'association au départ. Et ça, c'est vraiment, c'est très important. Si le leader qu'on va choisir est le principal, on ne s'assure pas de son intégrité, de son investissement, de son la manière dont la cause de l'association lui est forte et importante, la grosse erreur commence là. Mais même quand on a réussi à le trouver, il faudrait que ce leader-là et l'ensemble de la gouvernance, c'est-à-dire ceux qui ont bien pensé la chose, puissent travailler à ce qu'on ait d'autres leaders, d'autres personnes qui portent la même cause. Parce qu'il ne faut pas que ça se repose sur une personne. Quand je dis par exemple que l'association, l'Assemblée générale est faite, il n'y a plus personne, on peut imaginer aussi que lorsque on n'a pas des gens qui sont impliqués, qui, au sein du bureau, qui se réunissent régulièrement, demain, à un moment donné, le leader identifié, il est épuisé. Et donc, il n'y a pas de relais. Et on doit avoir le relais. Le système de gouvernance alternative doit rester également fonctionnel. La démocratie doit exister dans les associations. Et pour le faire, il faut favoriser les instances telles que les assemblées générales. Il faut faire les réunions régulièrement. Il faut faire en sorte que les gens puissent opiner, même si ils ne payent pas toujours leurs cotisations. Mais ils ont des idées. Vous me faites une transition parfaite. Quand on a de beaux objectifs, quand on a une vision claire, on a des instances bien animées et bien fonctionnelles. La célèbre maxime, vous la connaissez, un homme, une mission, des moyens. Les associations de développement, j'y arrive. Comment font-elles face à l'épineuse question, l'épine dorsale même de toutes les questions, les moyens pour l'atteinte des objectifs? Effectivement, vous avez bien saisi la transition. Tout à l'heure, j'ai parlé du problème des ressources humaines et des compétences qui constituent un écueil pour le bon fonctionnement des associations. Donc, quand il n'y a pas de compétences, ça ne marche pas bien. J'ai parlé de leadership. Le leadership, quand on ne l'a pas, l'association ne va pas forcément se donner tous les moyens nécessaires et atteindre ses objectifs, mobiliser les gens, etc. Et là, il y a la question du budget. Comment ça fonctionne? Comme je disais tout à l'heure, les associations qui sont les premières des années 60-70 ont été majoritairement portées par des gens de la diaspora, qui donc, avec le denier, donc ça restait le franc français dans le temps, pouvaient accompagner les initiatives. Quand ça a évolué et qu'on a eu vraiment toute une ribambelle d'associations de développement un peu partout dans les localités, ben, le fait de n'avoir pas forcément ces connexions-là, ben, en même temps, créer l'autre situation qui est celle que n'avaient pas, ils n'ont pas, elles n'ont pas souvent de moyens, ces associations. C'est un vrai problème. C'est un problème sérieux. Nous, par exemple, au niveau de l'association pour le développement de la commune de Savalou, nous avons, comme toutes les associations, le même problème. Mais l'élément important, c'est de se dire que même si on n'a pas un centime dans les caisses, il faut avoir
un million d'objectifs, un million de volontés, un million de forces à mettre en œuvre. Quand vous rassemblez ça, vous trouvez l'argent. Évidemment, pour que ça fonctionne, au moins quand je dis fonctionnement, je ne parle pas d'initiation de projet, il faut que les membres de l'association puissent au moins cotiser. Ça, c'est vraiment un problème dans toutes nos associations, ici au Bénin et ailleurs dans la sous-région. Ça ne cotise pas. On ne cotise pas. Il n'y a pas de cotisation. Et quand les gens ne cotisent pas, c'est-à-dire la cotisation annuelle, donc il faut payer l'adhésion, payer la cotisation annuelle, ce n'est pas pour autant que ces gens n'ont pas d'idée. Mais il faut faire en sorte que, lorsque on dirige une association de développement, qu'on apporte également des règles, qu'on apporte de la cohérence. Sur le peu de budget qu'on peut avoir par la cotisation, il faut réussir à gérer le minimum. Moi, je peux vous donner un exemple concret. Au sein de l'association de développement pour la commune de Savalou, au sein de l'association pour le développement de la commune de Savalou, parce que c'est ça le vrai sigle, nous avons environ 200 membres. D'accord ? Parmi ces membres-là, il y a certains qui payent leurs cotisations, d'autres pas forcément. Mais tout le monde est invité à l'Assemblée générale, y compris ceux qui ne sont même pas membres. Parce que nous voulons que les gens s'intéressent. On voudrait qu'il y ait de l'émulation. Une adhésion. On voudrait qu'il y ait de l'adhésion, qu'il y ait du dialogue et même de la confrontation d'idées. C'est très important qu'on nous reproche des choses, que des gens qui n'ont pas adhéré, qui n'ont pas payé, mais on sait qu'ils sont de la commune ou qui s'intéressent à la commune, et on veut bien qu'ils viennent nous critiquer pour qu'on écoute. Ça se trouve, ça peut être super intéressant. On prend. En revanche, lorsqu'il s'agira de voter, ne lève le doigt que celui qui est à jour de sa cotisation. Ah oui ? Oui, absolument. Vous réussissez à le faire ? Ah ben, c'est la règle. Hmm. C'est la règle depuis 4 ans et ça ne changera pas parce qu'il faut qu'on soit cohérent. Et je dis ça parce que justement, c'est cette incohérence que je vois à bien d'autres endroits où les gens, le jour de l'Assemblée générale, viennent défoncer les portes pour dire, ben, si on a notre président, il va être élu. Mais qui êtes-vous, monsieur ? Qui êtes-vous, madame ? On ne vous connaît pas. Est-ce que le nombre de ceux qui s'efforcent à payer les cotisations, à être à jour, ça forme souvent le quorum qui est requis pour ces genres d'opérations ? Le quorum, c'est sur ceux qui ont payé la cotisation. Ce n'est pas sur ceux qui passent, ceux qui ont de passage. Le quorum, il faut être cohérent, en fait. Il faut arrêter maintenant les fonctionnements un peu n'importe comment, etc. Il faut être sérieux. Moi, je prends mon temps. Chacun des membres de l'association qui est investi prend son temps pour apporter ses compétences, apporter son énergie, faire du lobby. Mais il faut pas, faut être sérieux. Quand on a envie d'apporter des idées et qu'on veut voter, c'est-à-dire aller plus loin pour dire « je mets mon vote sur telle idée », il faut au moins qu'on fasse le minimum, c'est payer sa cotisation. Oui, mais il y a un constat qu'il ne faut pas occulter. Hein. Très souvent, ceux qui prennent la tête des associations ou des creusets, ce sont ceux-là qui ont une certaine manne financière, qui sont à un certain niveau, qui ont un certain statut social et qui ont le pouvoir de décider d'imposer un tout petit peu leur point de vue lorsqu'il s'agit des réunions, ainsi de suite. N'est-ce pas également un point? Et dès qu'ils arrivent, il y en a qui s'éternisent parce que c'est eux qui ont les moyens pour les petites dépenses. Quand la cotisation tarde à venir, c'est d'abord de leur poche, ainsi de suite. Il doit y avoir un problème à ce niveau. Et nous, on prend tout le monde. Si quelqu'un a les moyens, il n'a qu'à venir. Donc, tout le monde a le droit de participer à l'association de développement de sa commune, de sa localité. Ça, c'est clair. Ce à quoi j'appelle les différents leaders, les cadres qui donc cautionnent ces structures-là, c'est simplement la cohérence. Quand je parle des textes, moi, je suis un démocrate. Attention, je suis démocrate, c'est avoir une idéologie. Ce n'est pas appartenir à une formation politique de la même dénomination. Exactement, je n'appartiens à aucune formation politique, mais je suis quelqu'un qui suit pour le bon fonctionnement de la société, de l'organisation. Donc, je suis pour la démocratie. Pour la démocratie, également au sein des associations. Dans une association, il faut imaginer l'alternance. Et ça dépend des textes qui sont prévus au départ. S'il y a un mandat de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, comment il fonctionne? Est-ce qu'il est renouvelable une fois, deux fois, ad vitam? Ça doit être fixé. Donc du coup, si quelqu'un a les moyens et que les textes qui l'ont élu
disent que ben, c'est un renouvellement à vie, ben, ce n'est pas le fait qu'il ait des moyens qui ferait qu'il se renouvelle. C'est juste simplement le fait qu'il y ait un règlement, des statuts qui le disent. Donc, ils ne font que respecter les textes. Si quelqu'un, justement, a les moyens, que les textes disent qu'il n'y a pas de renouvellement ou que c'est un seul renouvellement et qu'il en fait trois, là, effectivement, ça me pose un problème. Et d'où la démocratie. C'est qu'il faut faire en sorte que les instruments qui structurent, qui administrent l'association puissent être plus forts que les individus. Dans le sens où ben, il faut pouvoir lui rappeler qu'il n'est plus légitime. Et ça, c'est un vrai sujet. Et ça, pour que ça puisse marcher, comme vous l'avez dit, quand les gens ont les moyens, ils peuvent faire taire les gens, etc. Quand c'est comme ça, moi, j'en appelle à la conscience des gens pour dire, attention, il faut se rappeler de l'histoire. Ce que vous allez faire, les populations vont vous le reprocher un jour ou l'autre. Donc, pour faire bien, on peut avoir les moyens et continuer d'accompagner l'association, y compris de l'influencer, tout en respectant les règles. Allez, parce que c'est ça qui nous unit. Nous allons finir sur cet axe-là pour faire focus un peu sur l'association pour le développement de la commune de Savalou. Parlez-nous un peu de cette association, comment ça fonctionne à votre niveau depuis qu'elle est portée sur les fonds baptismaux et en quoi déjà cette association a impacté la commune de Savalou. Alors, juste avant de faire de passer au dernier point, il y a un élément important que je tenais à souligner quand même, puisque... Bon, pas le dernier point de l'émission, mais le dernier point de cet axe de discussion. De cet axe de discussion. Alors, très bien. Alors, vous savez, j'ai évoqué tout à l'heure la question des textes, la question de la démocratie dans les associations. Moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur, à la fois, j'ai déjà parlé de la formation, mais la formalisation des associations, et les associations, nombre d'entre elles sont volontaires, mais n'arrivent pas forcément à faire cette démarche-là. Il y a quelque chose à faire pour les accompagner. Et là, j'appelle aux pouvoirs régionaux, c'est-à-dire c'est potentiellement avec les préfectures, qu'on pourrait imaginer une petite cellule pour les conseiller, les accompagner, pour aider à structurer. Parce que si nous pouvons réussir à identifier toutes les associations qui existent dans les localités, dans les régions, dans les départements, et que nous les accompagnons à se formaliser, et que, par exemple, imaginez une journée départementale des associations. Imaginez juste une organisation, ou le week-end des associations, ou pourquoi pas la semaine à terme. Quand nous faisons ça, en tant que pouvoir public, le pouvoir public va y tirer, on va dire, une ressource incommensurable. C'est-à-dire, c'est des interlocuteurs qu'on appelle société civile qui ont de vrais problèmes terrain qui peuvent remonter à travers ces moments de rencontre-là. Secteur par secteur, activité par activité. Et ça, nous avons besoin de ça. Vous appelez les préfectures à un rôle d'assistance-conseil ? D'assistance-conseil, même de, on va dire, d'émulation de développement. Je pense que alors chez moi, en tout cas, il y a des choses qui sont intéressantes que je suis bien accompagné. Pourquoi vous ne portez pas le lead? Organisez, par exemple, une rencontre des associations de développement à Savalou. Ça va porter encore sur orbite votre commune ou c'est une rencontre, un festival, je ne sais comment ça va être dénommé. Mais vous pouvez le faire. Pourquoi attendre le pouvoir public? Alors, je vais vous répondre par une autre question. Après, je vais quand même répondre. Vous savez... Moi, j'ai mis l'idée. Si chaque idée que je lance, je dois la porter, c'est pas la peine parce que je n'ai pas la science. Je suis pas grand-chose, moi. Associer d'autres personnes. Ben bien sûr, justement, il faut associer 1000 personnes aussi. Vous voyez. Donc, il y a quelque chose de... Je lance des idées et d'autres personnes ont des idées également qu'elles lancent. Et au fur et à mesure, il y en a certaines qui portent, certaines qui prennent et on essaye d'avancer. Oui, vous avez raison. Et ça, nous en avons déjà parlé, notre préfet et moi, dans le cadre des collines. Et c'est des choses que nous allons sans doute arriver à faire. Mais c'est difficile déjà de faire fonctionner une association avec des cotisations qui ne sont pas exhaustives en termes de contribution des différents participants. Mais encore une fois, je pense que nous, on est peut-être déjà mieux lotis que d'autres. Chez nous, il y a quand même quelques personnes qui payent leur cotisation. Mais on n'a pas les moyens d'aller lancer un mouvement départemental. Nous avons déjà réussi à faire la fois départementale agro-pastorale des collines. C'est déjà pas mal. C'est beaucoup de budget.
Et là-dessus, c'est parce que nous arrivons à faire le lobby, à convaincre, à montrer notre sérieux. Que, par exemple, le ministre Dossoui dit, voilà, ça c'est bien ce que vous êtes en train de faire. Continuez dans ce sens-là en donnant des directives. Et ça fait que ça accompagne, ça prend. La foi départementale a pris aujourd'hui. Toutes les 6 communes participent depuis 4 ans à la foi départementale des collines. Les associations de développement, même des associations de manière générale, d'accord ? C'est une manne importante que nous pouvons regrouper et nous envisageons de le faire. Le tout, c'est encore une question de budget. Il faut les trouver. D'où, si on en arrive à voir, en tout cas si j'ai la brèche, je pourrais formuler quelques propositions en matière bien de sûr, réforme. Bien sûr, on le fera en pied d'émission. J'ai envie de vous faire une question, Conrad Baguidi, et si je ne vous la faisais pas, les Béninois m'en voudraient. Quelle est la frontière entre leader d'opinion dans une association de développement, leader d'une association de développement, et l'avenir d'acteurs politiques? Alors, quel est le lien? Pour moi, c'est comme si vous me demandez quel est le lien entre, un enseignant qui fait bien son travail et la ligne politique, un engagement politique. Pour moi, il n'y a pas de spécificité outre mesure. Par contre, je peux reformuler votre question et y répondre. Allez-y, oui. Si votre question, c'est de dire, alors je vais mettre en deux temps. Est-ce que les leaders d'associations de développement peuvent faire de la politique? Ça, c'est une question à laquelle je peux répondre. Est-ce que le leader de l'association de développement peut, a un bénéfice à être leader de l'association de développement pour pouvoir faire de la politique? Je peux vous répondre également. Pour la première question, nous, on l'a résolue. Lorsque la responsabilité de l'association pour le développement de la commune de Savalou m'a été confiée, c'était le 28 février 2020, j'ai dit, et vous pouvez regarder dans les archives, que moi, tous les membres de mon bureau, du bureau donc de cette association-là, doivent s'engager, y compris moi, à ne pas mélanger la politique à notre activité de gouvernance de l'association de développement. Donc, si vous voulez faire de la politique, c'est-à-dire au premier rang, bien sûr, parce que tout le monde a son opinion. Je ne veux pas dire vous êtes membre de tel parti, vous n'avez pas le droit d'être membre du bureau. Non, je ne peux pas dire ça. Par contre, si vous êtes membre d'un parti, membre du bureau, et que je vous vois tous les jours faire des meetings parce que vous voulez aller aux élections législatives ou communales, etc., je dis non. C'est la règle que nous avons fixée. Et nous l'avons expérimentée, puisque lors des dernières législatives, la personne qui était secrétaire générale de l'association de développement de la commune de Savalou, pour le développement de la commune de Savalou, a souhaité être positionnée sur une liste. Et donc, naturellement, elle est venue me voir et elle a fait sa déclaration de démission. Donc, elle a démissionné de son poste de l'association de développement pour se consacrer à ses activités politiques en vue d'être positionnée. Donc ça, c'est clair. Et cette règle-là, elle est claire, en tout cas, tant que je suis président de l'association pour le développement de la commune de Savalou, ça doit fonctionner ainsi. Oui, mais ça vient tout naturellement, non? Lorsque vous faites bien le travail. Et ça, je l'ai demandé à plusieurs responsables d'associations. Vous êtes là, on vient vous voir, monsieur Conrad, vous avez beaucoup fait pour la commune et ce sont les populations à leur tour qui suscitent votre aller en politique, qui vous envoie en politique avec votre position, ou si vous allez plus loin, vous allez mieux faire pour la commune. Qu'est-ce que vous allez dire? Mais ce n'est pas encore arrivé. Mais ce que je veux dire, c'est que... et si vous faisiez mal? Si vous faisiez mal, c'est-à-dire les responsabilités qui vous sont confiées au niveau de l'association, si vous les abordez de la mauvaise manière et que vous n'avez pas de résultat, ça veut dire que déjà vous n'êtes pas bon. Donc personne ne viendra vous chercher, n'est-ce pas? Imaginez par exemple que vous prenez quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion de nous montrer ce qu'il sait faire. Celui-là, on l'applaudit hein, quand il fait de la politique, n'est-ce pas? Et celui qui fait un travail, qui est reconnu, qui a de la valeur, si jamais il décidait d'aller en politique, tout le monde le surveille. Il est où? Ah, je vous avais dit. Mais non, il faut qu'on arrête ça. Je ne le dis pas pour moi, mais je le dis de manière
simple, naturelle, cohérente. Il faudrait se concentrer, et ça fait 4 ans qu'on me pose la même question, et je réponds de la même manière, je dis, moi je me suis engagé, j'ai dit la condition dans laquelle je me suis engagé. Je ne peux pas être président de l'association de développement et aller chercher une mandature politique. Ce n'est pas cohérent pour moi, parce que je veux pouvoir parler à tous les partis, à toutes les forces vives de la commune, je dois pouvoir les rassembler, et ils doivent me faire confiance. Donc, que vous soyez de BR, UPR, LD, MOEL, etc., vous tous, vous souhaitez, par vos valeurs politiques, le développement de la commune. Ok, ben venez, on travaille ensemble. Imaginez que j'aurais été d'un bord politique. Le problème se poserait déjà. Mais en plus, si je prends mon manteau de président de l'association de développement pour l'utiliser et aller faire campagne parce que je veux aller à une élection, c'est là où c'est pas bon. Là, moi, limite, je mets ça dans l'abus de biens sociaux. Ce n'est pas bon. Si vous voulez, parce que vous avez réussi une activité, parce que vous avez réussi un mandat, les gens vous font confiance et vous avez convenu qu'il faut aller plus loin, vous démissionnez. Il ne faut pas mélanger les choses. Vous démissionnez et vous vous consacrez à l'activité politique qui vous intéresse. Mmh. Et les choses sont claires. Alors, donc, qu'on ne condamne pas les gens qui ont pris leur temps, leur énergie pour travailler, pour avoir des résultats, qu'on ne les condamne pas, qu'on ne fustige pas éventuellement les autres projets qu'ils peuvent avoir par la suite, dès lors qu'ils arrivent à séparer les choses. Je ne parle pas de moi, mais j'invite globalement les gens à avoir cette réflexion-là et au contraire accompagner des gens qu'on a déjà vus à l'œuvre, qui ont réussi. Parce qu'on a déjà les prémices d'une qualité de travail, d'une envergure, on peut faire confiance. Alors, dans ce cas-là, comment doit se passer alors la collaboration entre une association de développement et les autorités d'une commune, par exemple, ces autorités-là qui restent quand même des autorités qui ont des colorations politiques. Bien sûr, bien sûr. Comment ça doit se passer? Alors, comment ça doit se passer est une très bonne question. Et je pense que déjà, au niveau des associations de développement, ce sujet-là doit être souvent débattu pour que demain, quelle que soit la gouvernance qui est mise en place, ça rentre dans les esprits et que les gens ne viennent pas pour faire de l'utilisation de l'association, mais plutôt pour faire fonctionner l'association. Donc, c'est des débats qui doivent venir souvent. Donc, moi, je suis toujours content quand on me pose ces questions-là. Ça, c'est un. Mais vous savez, malgré tout, les politiques vous regardent. Ils vous font la cour. Vous avez beaucoup de gens engagés dans la société qui sont sous vous et qui vous appellent leader. Et c'est normal qu'ils vous fassent la cour. Oui, mais ça, c'est humain, ça. C'est humain. Donc, chacun de voir selon ses projets, ce qu'il veut faire, quand il veut le faire, pourquoi, etc. Donc, ça appartient à chacun. Et vous les sollicitez aussi pour financer parfois des activités ou les parrainer? Alors, moi, je peux parler de mon expérience, hein, très clairement. Moi, j'ai la chance d'avoir, dans ma localité, je connais mes amis, mes frères politiques. C'est clair et c'est humain que quand vous venez comme ça et vous faites des choses, on se réveille, il va où, là? Hein? Il va où, lui? Ce qu'il est en train de faire, là? Etc. Donc, on vous surveille. Puis après, on se pose la question, mais on dit quand même il y a des résultats. Donc, bon, ça va, c'est quand même pas mal. Mais où il va quand même? Puis après, d'autres résultats, mais c'est pas mal. Mais où il va? Donc, c'est normal. Ça questionne. Donc, il faut arriver à se parler et à parler entre acteurs d'associations de développement et acteurs politiques pour travailler sur la collaboration. Nous, on le fait à Savalou. Ça n'a pas toujours été toujours très, très bien. C'est normal. Les dents et la langue sont appelées à cohabiter toute leur vie et pourtant se querellent. Ben, c'est la même chose. On ne se querelle pas, mais parfois, ça peut arriver. Mais on a toujours cette responsabilité, la première autorité administrative et moi-même, d'être au-delà de toute tentative de nous distraire pour arriver à conjuguer nos forces. Donc ça se passe bien. Mais ça, il va de la responsabilité, de l'engagement de chacun. C'est quelqu'un qui fait des efforts, c'est moi, je fais des efforts. Et en fait, comme on s'entend bien, on s'apprécie bien, tout va bien. Ailleurs, ça peut ne pas marcher. Mmh. Si vous allez rajouter à cela
le fait d'appartenir à un parti qui éventuellement n'est pas le parti du maire, vous voyez ce qui se passe, c'est que tout est bloqué. Donc moi j'invite toutes les associations de développement à mettre en place des gouvernances apolitiques de manière très ferme. Et le président du bureau, en tout cas le leader principal, le mieux c'est qu'il ne soit même pas dans un parti. Le mieux. Alors, mais vous ne pouvez pas, au regard de la loi, interdire à quelqu'un. Justement, donc, j'allais en venir. Vous faites souvent de très belles transitions. Je vais rebondir sur votre dernière phrase. Alors, comment le faire pour véritablement garantir aux associations de développement leur rôle, les mettre dans un canevas pour qu'on n'aille pas dans tous les sens et surtout qu'on n'aille pas se jeter dans la politique en passant par une association de développement? Mais ils ont le droit de se jeter dans la politique s'ils ont quitté l'association de développement. Ils n'ont pas le droit de se servir de l'association. Toujours quand on a le manteau de membre de l'association. C'est ça. Il faut faire attention que les gens, effectivement, n'utilisent pas l'association pour en faire un instrument politique. C'est ça l'idée. Mais comment faire? Je pense que les cadres qui sont souvent à l'origine des structures fêtières, des associations fêtières, sont le premier rempart. C'est des gens intelligents qui savent opiner, qui savent dire leur point de vue, qui savent conseiller, qui savent accompagner. Il faut s'appuyer sur les cadres de chaque localité. C'est vraiment une ressource fondamentale. Mais une association ne peut pas se faire, comme je disais tout à l'heure, en fait, sans qu'il y ait un accord, une entente. On doit se parler. C'est là où les bases doivent être posées. Si elles ne le sont pas, et qu'on voit qu'il y a, on va dire, des débordements, il faut profiter ou bien d'une assemblée générale ou d'un moment fort pour traiter le sujet et percer l'abcès. C'est très important. Donc, il faut s'appuyer sur les cadres. Dans certains cas, il faut aller plus loin. En tout cas, nous, dans notre cas à Savalou, nous avons associé également les sages. Donc, quand on dit cadre, on pense souvent à des cadres dans un certain niveau d'études, etc. Mais il ne faut pas oublier nos sages qui ont beaucoup à nous apporter. Les têtes couronnées, c'est tous ces gens-là qui font l'équilibre de la localité. Et puis, il faut aussi écouter les jeunes et faire la place aux jeunes. Faire en sorte que les femmes ne soient pas en marge. Donc, que toute la couche, au moins de la population, en termes de catégorie de genre et de responsabilité, puisse être dans ce creuset-là. À partir du moment où c'est fait comme ça, qu'il y a le dialogue, on peut considérer que l'association de développement va être une structure qui sera capable de fédérer l'ensemble des compétences et des ressources de la localité. Je vous donne un exemple. En 2020, quand nous avons pris les responsabilités, les premiers résultats du BPC et du BAC étaient catastrophiques pour les collines. Et Savalou était occupé la lanterne rouge. Ce qui est une insulte. Pour moi, fils de Baguidi, c'est une insulte. C'est plus une insulte pour les Savalois. Et donc, le fait d'être constitué comme ça, avec l'ensemble des parties prenantes que je viens d'évoquer là, a fait que nous avons sollicité l'accompagnement de chacun pour arriver à trouver le budget nécessaire et faire des cours de renforcement pour nos enfants dans les collèges et lycées. Et En prélude à cela, nous avons trouvé nous-mêmes, on va dire, le budget nécessaire pour aller mettre à disposition des apprenants des ouvrages scolaires. Et donc ça fait un déclic. Mais pour mobiliser des gens, pour aller jusqu'à la première édition, on a mobilisé 3 millions. La deuxième édition, on a mobilisé 6 millions et encore presque 7 millions pour l'année qui vient de passer. Vous les avez trouvés où? Tout simplement en ouvrant la cagnotte. Et même des jeunes qui n'ont pas d'emploi donnent 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs. Les gens qui ont plus de moyens donnent 300 000. Les politiques en ont donné aussi. Oui, bien sûr. Un politique, quand il donne, attend le retour. Alors, sincèrement, à l'heure des charges, aucun politique, à ma connaissance, n'a utilisé cela pour faire
son action Vous personnelle. ne les suivez pas dans leur discours, Ça, c'est vrai, dans leur cheminement. Je vous l'accorde. Parce que lorsqu'ils arrivent à la porte d'un village, on dit, bon, dans le village, il y a eu 2 admis ou 3 sur 5. Ah ben oui, on a organisé des TD, c'est des agglomérations. Nous sommes les bailleurs de ces TD. Attendez, juste pour finir. Oui. Vous avez raison, je ne les suis pas, je ne suis pas partout avec eux. Mais j'ai envie de dire, de croire en ce qu'ils n'ont pas forcément fait. Et encore. Et même s'ils le faisaient. Ça ne me gêne pas. Moi, ça ne me dérange pas. Je le dis, je répète, puisque je ne suis pas sur ce terrain-là. Donc, qu'ils le fassent. Moi, je veux qu'on m'accompagne. Je veux qu'on accompagne l'association de développement. Qu'ils aillent se targuer du fait qu'ils ont... Mais c'est bien. C'est pas grave. Non, mais c'est... Par contre, si on me demande, je vais dire oui, il a contribué à hauteur de temps dans cette masse-là. Donc, il faut que les populations elles-mêmes aillent chercher l'information. Je ne peux pas être le rempart de leur choix. Donc, ça ne me gêne pas que les politiques en profitent. Pourvu qu'elles donnent, pour que nous, on puisse atteindre nos objectifs, que de faire avancer nos jeunes dans leur scolarité. Et juste pour finir, nous construisons des toilettes à Savalou. Oui. Sur des terrains que la commune nous met à disposition. Le premier module que nous avons, le premier bloc qu'on a construit de 4 toilettes, c'est des toilettes agroécologiques, c'est-à-dire donc dont les résidus constituent des intrants après agricoles. Mais moi j'ai dit au maire, mais voilà, je vous apporte quelque chose. C'est la responsabilité de la commune que de faire en sorte que l'aspect sanitaire soit plutôt bien réglé dans la commune. Mais l'association de développement va faire un lobby. C'est ça, une association fêtière, c'est ça son rôle. À l'effet du lobby, si on était juste dans un quartier, personne ne nous écouterait. Nous avons levé 100 000 dollars pour faire des toilettes dans tous les arrondissements de Savalou. En France, CFA, ça fait ? Ça fait, je ne sais pas, 100 000 dollars, ça doit faire à peu près 65 millions ou quelque chose comme ça. Voilà, à peu près, 60 millions, hein, pour construire des toilettes. Mais le maire, il n'a pas contribué. Bien sûr qu'il a contribué en faisant en sorte qu'il y ait une instance, en faisant en sorte de nous écouter, de nous faire confiance pour mettre à disposition le terrain avec le conseil communal. Il a participé. Absolument. Parlons de conseil communal. Donc voilà, dans vos rapports avec les conseils communaux, vous savez, vous parlez développement et la commune à la base aussi parle de développement à la base avec des plans communaux de développement, de politiques publiques afin d'atteindre les objectifs. Est-ce qu'on vous fait de la place quand on débat, par exemple, des questions cruciales pour que les associations de développement prennent la parole à l'occasion, par exemple, de ces sessions-là qui sont ouvertes, pour que vous, qui êtes des acteurs de terrain, vous puissiez reverser les inquiétudes et les préoccupations. Vous sentez l'écoute? Pas le dialogue entre leader que vous êtes et les autorités, mais dans l'instance formelle de la commune. Alors, là-dessus, vous savez, on a toujours un progrès à faire. Hein? Pour l'instant... nous avons déjà eu des échanges de cette nature-là. Lorsqu'il a s'agi, par exemple, d'installer le nouveau marché de Savalou, nous avons eu l'occasion de discuter avec le conseil communal pour apporter nos idées et justifier ces idées-là. La décision, après, ne nous appartient pas. Donc ça a été, par exemple, un exemple où il y a eu un échange. Mais tel que vous le dites, et vous faites bien de le dire, il serait bien que nous puissions continuer à faire davantage ce type de rencontres-là et que pour certains sujets un peu plus cruciaux de type concernant l'eau, la santé, l'éducation, l'agriculture, enfin différentes choses, nous puissions continuer à travailler ensemble. C'est un accompagnement que nous faisons in fine. Mais vous savez, la question du développement n'est pas abordée de la même manière par l'autorité administrative que par l'association de développement. L'autorité administrative a un budget. Et il y a effectivement le PDC, le plan de développement communal, qui est rédigé et qui devient donc normalement sa Bible. Nous fonctionnons avec nos statuts et dans notre PTA. Donc on a un programme annuel qu'on met en place. On ne l'a peut-être pas forcément suffisamment fait au début, mais maintenant on le fait. Nous faisons en sorte de travailler en tenant compte de ce qu'il y a dans le PDC. Mieux cette année, par exemple,
la responsable de la planification m'a directement sollicité pour contribuer à l'élaboration du PDC. Ce qui est très intéressant. Donc, il y a des choses qui se font progressivement et je pense que nous sommes vraiment bien lotis. Et il suffit d'accepter de continuer à travailler pour améliorer les choses. Donc, c'est des exemples concrets. Donc, nous faisons le développement différemment, mais nous nous rencontrons sur le même terrain, on se donne la main. Nous avons nos statuts, notre programme de développement et selon les leaders que nous avons au niveau de l'association de développement, nous pouvons faire avancer plus vite certains dossiers que d'autres. Parfois même, nous pouvons faire avancer des dossiers au bénéfice même de la commune. Mmh. Donc ça, nous n'hésitons pas. C'est cette synergie-là qui est importante pour qu'une association de développement fêtière puisse bien fonctionner. Et vous pensez qu'il faut établir un cadre législatif mettre chacun dans son couloir pour terminer. Alors, dans son couloir, entre guillemets, sinon je ne dirais pas ce terme-là, je pense qu'effectivement qu'il y a lieu de légiférer. Et nous avions accueilli le président de la République à Savalou, lors de la reddition des comptes, avant sa deuxième mandature, et à qui j'ai demandé un certain nombre de choses, et il nous a répondu à tous dans la salle, sur la base de ma question, que la question de l'association de développement était une préoccupation pour lui, et qu'il envisage donc une loi prochaine pour essayer d'encadrer un peu tout ça, de structurer, de nous aider à avancer. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes basés que sur la loi 1901, qui est vieille de cette année, et qui est une émanation donc, du colon. Aujourd'hui, nous devrions pouvoir déjà au niveau de cette loi-là, faire un travail, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont déjà commencé à y réfléchir, hein, donc ça, ce n'est pas un scoop que ce que je suis en train de dire, pour toiletter, voir un peu quelle adaptation apporter pour notre pays, mais mieux, les associations de développement doivent également faire l'objet d'une loi spécifique, parce que je pense que c'est un instrument indispensable au développement de nos localités. C'est une émanation importante, parce que dans la société, vous avez la société civile de manière globale, qui intervient de diverses manières et qui n'est pas rangé dans les politiques, qui n'est pas rangé dans la partie, on va dire, gouvernance au plan global. Mais on a également les associations de développement qui sont spécifiques et qui apportent quelque chose de spécifique. Mmh. Et il est important de se saisir de cet instrument pour voir dans quelle mesure aller plus loin et au plus près des populations. Allez, on n'aura jamais eu assez de temps pour aborder les questions de développement. Nous sommes au thème de l'émission. Conrad Baghedi, votre mot de la fin. Alors, j'aime pas les fins. Pour ne pas conclure, alors. Voilà. J'aime pas les fins, mais je pense que nous devons faire en sorte, où que nous soyons, quel que soit l'acteur que nous soyons, que les associations de développement qui naissent et qui meurent au bout d'un an, au bout de deux ans, c'est-à-dire qui sont juste nées pour un objectif politique, que ça s'arrête et que nous puissions vraiment travailler à structurer les objectifs des associations avant qu'elles ne soient installées. Et ça, c'est important parce que c'est un découragement perpétuel pour les populations. Je connais plein d'associations qui naissent, qui meurent, qui naissent, qui meurent, et c'est vraiment triste parce que je pense qu'on peut en faire quelque chose. Et moi, je me dis que le développement à la base ne peut se faire sans cet instrument-là. Et le développement à la base, c'est ce qui n'est pas encore réellement élaboré. On a une gouvernance centrale qui, après donc, son programme d'action de gouvernement, trouve des déclinaisons, etc. Et donc, on a une structure top-down. L'idée, c'est de croire qu'on peut renforcer le top-down par le bottom-up. C'est-à-dire, donc, commencer, faire des choses également par le bas pour aider à... Il faut vaincre la fatalité. Ça, je l'ai déjà dit à qui de droit. Et on a aujourd'hui constaté que les gens que vous rencontrez dans les localités, dans les villages, qui disent, ben voilà, on se débrouille. C'est des mots que je n'aime pas. Ça ne marche pas, etc. Mais non, je suis en train de travailler pour que ça marche. Je suis en train de faire ceci. Donc, quelque part, donner un espoir. Et pour que l'espoir naisse, il faut que les acteurs locaux puissent être porteurs de cette initiative-là, positive, qui constitue, voilà, moi, mon association, je travaille avec les jeunes pour réaliser tel sujet. Je fais en sorte que chaque jeune croit au fait que ce qu'il a commencé à marcher, donc il peut continuer à en faire d'autres, etc. Donc je voudrais que, au plan, à la base,
qu'il y ait un vrai travail, et nous on va le faire, enfin on espère qu'on le fait un peu déjà, mais ce n'est pas assez, il faut continuer à le faire. Toutes les associations fêtières doivent s'inscrire dans cette logique-là pour faire en sorte de redonner confiance dans les localités en les fédérant davantage, chacun selon son secteur d'activité, son domaine de compétences. Et qu'on reste le plus possible dans les objectifs qu'on s'est fixés et dans les engagements qu'on s'est donnés. Tout sur les associations de développement avec Konrad Baghidi. Il est le président de l'association pour le développement de la commune de Savalou. Merci d'être venu dans nos murs sur Canal 3 Bénin. Vous êtes également au Conseil de la République. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette émission. Merci à vous, Franck Aounou. Merci à toute l'équipe de réalisation. À très vite. We'll be right back.